Eh bien, salut tout le monde, les gens, c'est Colin. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Moi, en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto sur Minecraft. Et comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, ce sera comment créer des grades sur Minecraft. Tout simplement, des grades qui vous seront utiles pour vos serveurs mini-jeux ou des serveurs RP ou ce genre de choses. En tout cas, trouver le moyen d'installer des grades sur Minecraft pour différencier les joueurs, tout simplement. Donc c'est un tuto qui en soi est plutôt simple. Donc là on est sur le serveur Colo Games, hein, qui est mon serveur mini-jeu, et vous voyez pour exemple on a un scoreboard de grades avec le nombre de joueurs et le nombre de VIP. Donc là en gros j'ai un seul grade, donc je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne, comment on peut créer un grade et comment on peut ajouter un grade, et surtout comment détecter que tel ou tel joueur possède ce grade. Tout simplement, tout sera présenté dans cette vidéo. Donc avant qu'elle commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu histoire de me soutenir et de bien référencer la vidéo, ça c'est très important, et que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Et sur ce, je fais une petite ellipse et on s'attaque au système. Et re les gens, donc voilà mon système de grade, il est juste devant vous. Donc voilà, il faut juste quelques commandes blocs, tout simplement. Donc je vais vous présenter un petit peu le système en détail, hein, parce que là il est déjà construit, donc je vais vous le détailler dans les moindres détails pour que vous puissiez bien comprendre, pour que vous puissiez bien faire le vôtre, hein, votre propre système de grade sur vos serveurs. Donc du coup c'est parti. Donc premièrement, il va falloir installer déjà une bloc. Donc vous voyez que là je mets un bloc, je mets une torche, une poudre, une poudre ici, et là je mets un repeater à 4 ticks. Donc là tout simplement ce qui va se passer, c'est que quand je mets la torche, vous êtes d'accord, il y a déjà du courant, bah, le courant il va partir ici, il va aller sur le repeater qui va transmettre un courant à ce bloc. Donc le bloc sera chargé, hein. Imaginez que c'est comme un redstone bloc, bah, du fait qu'il sera chargé, ça va éteindre la torche, mais la torche elle va se rallumer parce qu'elle est toujours allumée en tant que telle. Donc du coup ça va faire une clock à l'infini. Et ensuite la cloque, vous la rejoignez donc comme ceci avec deux commandes blocs. Alors surtout posez-les bien de cette manière, vraiment posez-les de manière où vous voyez les flèches regardent par là-bas. Surtout ne les mettez pas genre comme ça, ça c'est très important, attention ça peut être super dangereux, ne faites pas comme ça, mettez-les comme ça, vraiment c'est très important. Donc une fois que c'est fait, bah dites-vous que ces deux commandes blocs tout simplement représentent un grade. Donc là ici ça serait en l'occurrence le grade joueur, et ici j'ai mon grade VIP. Mais déjà voilà, on a la clock, on a posé des commandes blocs, ensuite qu'est-ce que je fais? Bah déjà il faudrait créer mon scoreboard. Donc là créer le scoreboard grade, donc j'ai fait un tuto sur les scoreboards, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir, c'est très important, sinon vous allez être perdu au niveau des scoreboards. Mais en tout cas je vous montre les bases, comment faire un scoreboard, comment ça marche tout ça. J'ai fait une vidéo, donc je la mets dans la description et je vous mets une petite fiche en haut à droite. Voilà, c'est très important, allez la voir, sinon vous allez rien comprendre. Donc là je crée tout simplement le scoreboard avec slash scoreboard pour la commande des scoreboards. Objectif parce que je crée un objectif de scoreboard, add parce que je veux ajouter. Ici j'ai mis mon codage grade, demi parce que de toute façon il n'existe qu'une fonctionnalité de scoreboard. Et là j'ai mis l'affichage grade, donc en blanc comme ça, en majuscule, en gras. Donc voilà, une fois que c'est fait, paf, tu mets un bouton, tu cliques dessus, voilà, l'objectif a été créé. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je l'affiche tout simplement, c'est tout bête parce qu'on l'a créé mais on l'a pas affiché. Donc comment on l'affiche? Slash scoreboard, voilà, je veux exécuter une commande sur un scoreboard, mais laquelle? Objectif, donc par rapport à un objectif, set display parce que je veux placer un scoreboard d'objectif quelque part, je veux le mettre en sidebar, donc sur le côté à droite, et je mets qui? Je mets mon codage grade, tout simplement. Une fois que c'est fait, tu mets un bouton, tu cliques dessus et tu as le scoreboard grade qui est affiché sur le côté, tout simplement. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Là on va vraiment s'attaquer au cœur du système. Comment je peux détecter un joueur et le placer sur le scoreboard du grade? Comment je peux détecter un joueur qui est gradé et le mettre sur le scoreboard du grade? Comment je fais? Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vérifiez bien que la première commande qui s'exécute c'est celle-ci et pas celle-là. Il faut que ça soit celle-ci qui s'exécute et celle du dessus après. Donc pour faire le test, tu mets slash say1, slash say2 et tu regardes si c'est le 1 ou le 2 qui s'exécute avant. Donc si c'est lui qui s'exécute en premier, bah tu changes rien. Mais si par contre c'est lui qui s'exécute en premier, bah la commande qui est ici, tu la mets là. Vraiment, il faut l'exécuter dans l'ordre. Donc, le commande bloc du bas.
Tout simplement, c'est slash scoreboard parce que je vais exécuter quelque chose sur un scoreboard. Players parce que là, c'est une action que je vais mener sur un joueur. Hein, c'est pas sur le scoreboard que je veux, c'est sur le joueur. Et là, je vais mettre set. Alors set, ça veut dire je régule. Tu vois, c'est je régule que, je veux dire que. Voilà, c'est en gros, j'impose quelque chose. Set, ça veut dire j'impose quelque chose. Là, j'impose donc à joueur. Donc joueur, c'est le nom que j'ai mis. Hein, c'est un codage. Je veux ajouter joueur. Voilà, en gros, c'est plutôt ça. Hein, c'est j'ajoute joueur. Donc vous voyez sur le scoreboard, donc ici, joueur. Donc je veux réguler donc la commande joueur, hein, la petite entité joueur si je puis dire, au scoreboard du grade. Donc là vous mettez le codage de votre scoreboard. Donc moi je veux le mettre sur les grades. Et tu le mets à 0. Bah à 0 parce que ça c'est un petit peu le témoin, je dirais. Tu vois, c'est un peu comme ancien, c'est un peu le témoin, c'est le chiffre nul. Voilà, 0 parce que. En tant que tel, je veux personne. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un ou tu vois, je veux personne. Je veux juste zéro. Voilà, il n'y a personne. Donc, une fois que c'est fait, normalement sur votre scoreboard, vous aurez écrit donc il y aura joueur normalement et sur le côté, il y aura zéro. Donc, le scoreboard du dessus, ça va être la détection du joueur. Voilà, comment je peux détecter un joueur et comment je vais faire pour ajouter un si je détecte un joueur. Bah, tout simplement tu vas faire donc slash execute. Donc slash execute ça veut dire je veux vérifier que, je veux tester que, je veux détecter que. Je veux détecter quoi? Bah là arrobase A, tous les joueurs. Donc là je détecte tous les joueurs. Les trois vagues ça veut dire peu importe où il est. Hein, il peut être n'importe où dans le monde, hein, peu importe la coordonnée où il est, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est il peut être n'importe où. Voilà, les joueurs peuvent être n'importe où. Bah là, c'est ça les trois vagues. Et donc si tel est le cas, si tel est le cas que je vérifie que tous les joueurs sont à tel ou tel endroit, et ben je veux que la commande suivante s'exécute, donc slash scoreboard. Donc j'exécute une action sur un scoreboard. Players parce que je veux modifier quelque chose au niveau des joueurs. Add, je veux ajouter quelque chose, mais ajouter à qui? À joueur, donc le codage tu vois, du joueur qui se trouve sur le scoreboard du grade, et je vais mettre 1. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce command block il va détecter tous les joueurs qu'il y a dans votre map et il va ajouter 1. Donc par exemple, s'il y a deux joueurs, ben, il va ajouter 1 et 1. Donc ça fait 2. Donc il va détecter 2 joueurs. Si on est 8, eh ben, il va détecter 8 personnes. Donc il va mettre 1 point par personne et il y aura 8, tout simplement. Il y aura 8 joueurs. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Et puis pour vérifier si tel est le cas, je vais un petit peu trafiquer mon système. Regardez, je vais mettre slash execute arrobase E. Donc pour les entités, donc ça désigne aussi les mobs. Regardez sur ma map, il y aurait apparemment 120 mobs. Alors moi je sais pas, hein, parce que perso il n'y a pas de mobs dans ma map. Enfin du moins je le pensais pas, mais apparemment il y en a 120. Mais regardez, si vous voulez être sûr que votre système fonctionne, donc ça c'est un bon moyen de le vérifier. Je vais prendre. On va aller prendre des œufs de créatures. Regardez, on va prendre. Je sais pas, allez, un œuf de loup, on s'en fout, de toute façon, c'est un mob. Mais si j'en place un, regardez, normalement, ça va être écrit 121. Voilà, 121, 122, 123, 124. Tu vois, à chaque entité que je détecte, j'ajoute un point sur mon scoreboard, tout simplement. Donc là, c'est pour les entités, hein, mais bon, là, on s'en fout. Hein, je veux dire, pour vos serveurs, c'est les joueurs. Donc, pour les joueurs, tu mets arrobase A. Voilà, tous les joueurs. Là, on s'en fout qu'il y a des entités dans la map. Donc voilà, tout simplement. Donc là, on a créé la détection des joueurs. Voilà, je sais qu'il y a des joueurs, mais en tant que tel, c'est pas un grade. Je sais juste combien il y a de joueurs dans ma map, mais ça m'aide pas à déterminer des grades. Comment créer le grade? Alors, tout simplement, vous allez refaire, voyez, une ligne sur le côté, et puis encore une fois, vous mettez les commandes blocs comme ceci. Hein, donc dites-vous que chaque colonne représente un grade. Donc là, moi, j'ai créé un grade VIP sur mon serveur. Comment j'ai fait? Donc le premier command block, c'est slash scoreboard. Players parce que je vais exécuter une action sur les joueurs sur un scoreboard. Set, donc set c'est je crée, je place, je veux mettre que. Voilà, je veux mettre que quoi? Je veux mettre qu'il y a un grade VIP, donc ça c'est moi qui l'a créé, hein, donc je veux mettre qu'il y a un grade VIP sur le scoreboard des grades. Et pareil, là c'est un petit peu comme en science, l'expérience témoin 0. Voilà, l'expérience elle est nulle, il n'y a personne pour l'instant, il n'y a que dalle. Voilà, c'est le témoin 0. Je mets 0 parce qu'il n'y a personne. Donc si tel est le cas, bah voilà, je vois que dans les grades il y a VIP et à côté il y a 0. Donc voilà, ça c'est le scoreboard tel que je l'ai actuellement. Mais voilà, comment je peux détecter un VIP? Eh ben, on va jouer sur les tags, le slash tag. Regardez, slash execute, donc c'est comme tout à l'heure, hein, pour les joueurs, slash execute arrobas A,
peu importe où il est, donc vous voyez avec les petites vagues. Donc ça, c'est je détecte tous les joueurs dans la map, peu importe où ils sont, peu importe aux coordonnées, on s'en fout, ils sont partout. Mais sauf que regardez, entre crochets, j'ai mis tag égale VIP. Donc ça, c'est uniquement, ça, entre crochets, ça veut dire à la condition que, c'est uniquement les joueurs qui portent un tag égal à VIP. Donc si moi j'ai un tag VIP, je serai détecté. Si j'ai un tag trou de balle, culotte, je serai pas détecté. Si j'ai pas de tag, je serai pas détecté non plus. Et donc, c'est comme tout à l'heure, slash scoreboard, players, voilà, je mets sur le scoreboard au niveau des joueurs, l'ajout au grade VIP, sur le scoreboard des grades 1. Voilà, si il y a un VIP, enfin s'il y a un joueur qui porte le tag VIP dans ma map, et ben sur le scoreboard, ça va ajouter 1, tout simplement. Et pour vous le prouver, regardez, il y a une commande, donc plus VIP, moins VIP. Donc ça, c'est si je veux ajouter le VIP ou l'enlever. Bah, la commande, elle est simple. Regardez, c'est slash tag, @p, donc @p pour le joueur le plus proche. Ou vous mettez le pseudo du joueur, hein, si vous voulez mettre directement comme ça. C'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Add, parce que je veux ajouter quelque chose. Et je mets quoi? Je mets le codage VIP. Et pour l'enlever, bah, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre add, tu mets remove. Donc regardez, si là je m'ajoute le VIP, là je vais être tagué en VIP. Voilà, je reçois le codage VIP. Et regardez, sur la map il y a un joueur dont un VIP. Et le VIP, à côté c'est écrit 1 et c'est moi. C'est moi le VIP, tout simplement. Et regardez, si je m'enlève le VIP, voilà, et ben là je suis à 0 et il y a toujours un joueur dans la map. Voilà les gens, tout simplement, c'est comme ça qu'il fallait faire pour créer des grades sur un serveur. Et donc voilà les gens, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous sera très utile pour vos serveurs, hein, notamment les serveurs mini-jeux ou des serveurs RP ou des serveurs dans lesquels vous aurez besoin de grades, hein, de différencier les joueurs, les rôles de chacun et les privilèges de chacun. Donc voilà, si ça vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, on va se mettre un objectif 30 likes, je sais que vous pouvez l'atteindre, donc explosez-moi cette barre des pouces bleus s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour dire bah, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, et aussi bah, de me donner d'autres idées de tutos que je pourrais faire, n'hésitez pas aussi à me demander qu'est-ce que vous souhaitez que je vous présente. Aussi partagez à vos amis, à votre famille et partout sur les réseaux sociaux pour attirer du monde sur la chaîne, comme ça tout le monde pourra profiter de ce tuto et des prochains tutos que je pourrai faire. Moi aussi j'ai des réseaux, donc regardez dans la description, tout y est, c'est très important de m'ajouter pour être au courant de quand est-ce que je sortirai les vidéos et les lives sur la chaîne. Aussi s'il y a des nouveaux, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, et activez la cloche des notifications pour pouvoir suivre mes aventures sur la chaîne, pour pouvoir suivre l'actualité de mes tutoriels. Et voilà, sur ce les gens, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'était Colagaming, et je vous dis ciao ciao.